Voilà, bon, j'ai commencé le timelapse, il était à environ 8h, là il est presque 14h, enfin 13h30 plutôt. Alors, attendez, je vais bouger mon truc. Voilà, hein, parce qu'on m'a un peu gavé. Sur le bordel. Et là, tout à l'heure, je dois me barrer à Kayagandaioro, donc. Ouais, voyez mon antre. Ouais, je sais, c'est pas bien. Mal bouffe, mal bouffe, mal bouffe. Alors, juste pour prouver. Attends, attends mon pote. Qu'on est bien à la bonne date. Voilà, arnaque évidente. On est le 24 avril 2018, il est 12h42, donc je suis planté. Voilà, midi 42, midi 42, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ah bah oui, on n'a qu'à regarder les dernières nouvelles sur MSN Actualité, super fiable. Est-ce qu'il y a un truc? Il y a 12 heures, le gouvernement présente un plan anti-gaspillage. Voilà, il y a 12 heures. Ah oui, un truc qui est pas mal. Un climato-sceptique prend la tête de la NASA. Ça, c'est pas mal pour les complotos qui sont persuadés que la NASA, elle soutient le réchauffement climatique pour plus ou moins soutenir les épandages aériens qui cherchent à lutter contre le réchauffement climatique via la géo-ingénierie, etc., etc., etc. Bref. Que dire? Que dire? Voilà, donc là je vais me faire le montage vidéo du timelapse. Je vous le poste dans la foulée et vous pourrez constater que les chemtrails au-dessus de Cebu. Ah oui, alors attends, non, mais attendez. Faut que je vous montre qu'on est bien à Cebu. Alors. Chier, ce truc. Alors. Voilà où je suis. Donc excusez-moi, j'ai un peu flouté quand même la rue où je suis, parce que je tiens pas à ce qu'il y ait des connards qui cherchent à me nuire, hein, comme d'habitude. Parce qu'on connaît un peu le courage des plateux. Donc voilà, je suis aux Philippines. Hein. Pardon. Voilà. Au-dessus de Cebu, vous pouvez constater. Il n'y a pas de chemtrail.